Et de retour sur Pokémon Écarlate. Bienvenue à vous. Alors nous, on s'était laissé au milieu de nulle part. Je ne sais pas comment décrire ce lieu. Mais oui, au milieu de nulle part. Notre objectif, c'est par là-bas. Par ici, exactement. D'ailleurs, je crois qu'il est temps de s'y rendre. Je pensais devoir faire tout le tour, mais non. À mon habitude, je vous demanderai de ne pas oublier de laisser un j'aime, un like sur ces vidéos pour m'aider à les référencer. Et si ce n'est encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne bleue d'azur et à activer la petite fée clochette si vous le désirez. Vous pouvez aussi librement commenter ces vidéos sur YouTube et partager le contenu de cette chaîne sur vos réseaux sociaux. D'avance, je vous en remercie. Asturé de nature, il est très astucieux. Celui-ci m'a l'air d'être pas mal. Je voulais absolument un dragon type dragon. Mais un dragon de type eau, ça me plairait aussi. Voyons voir un petit peu celui-là. Il fuit rapidement. Ok. Alors, celui que j'ai, il est bête. Celui-ci, c'est un fuyard. Et ça ne me convient pas du tout. Celui-ci, voyons un petit peu son caractère. Il est très volontaire. Ah, malpoli de nature. D'accord. Alors, c'est pas gagné. Ma télévision vient de s'éteindre. J'ai un problème de contact encore. Celui-ci, il fuit rapidement, docile de nature, bon, décidément. Moi, je tiens, bien que je ne comprenne pas toutes les subtilités, hein, à mon type dragon. J'y tiens. Bien que quand je regarde sa fiche, il est assuré de nature. Mais il est bête et impulsif. Bon, écoutez, ça ira bien. Il n'y a plus qu'à espérer. Alors, je ne sais pas si je peux sauter et nager jusqu'à là-bas. Je pense que oui. Hein, je pense qu'on peut faire ça. Ma foi, on va essayer. Vous voyez, il y en a un qui est ici. On pourrait essayer de le capturer pour voir si celui-ci n'est pas meilleur. Mort-le, alligator. Oh, le miroir. Ah oui, il a cette capacité-là. Enfin, avec tous les types que les Pokémon ont, il faut dire qu'il doit y avoir énormément de possibilités. Bon, je l'ai bien amoché, là. On va prendre une hyperbole. Et peut-être que celui-ci sera meilleur que les autres. Nigirigon. Une forme affalée. Et je me demande quelle autre forme il a. Je suis impatient de découvrir.
Non, c'est pas dans les sacs, c'est dans les boîtes PC. Et oui. Ah bah non, et justement, il est à la suite. Alors celui-ci, c'est aussi un type dragon. Il est discret de nature et il est très volontaire. Ben voilà, c'est lui qu'on veut. Bien qu'il soit niveau 52, on espère qu'il va très rapidement remonter ses niveaux. Oh, il se met à pleuvoir dans le jeu. Oh non, bah là que je me fais attaquer moi maintenant. Par derrière en plus. Par un chevroom. Ah, c'est super efficace contre un type plante, mais je dois dire que celui-ci a bien résisté. Et non, les Damoclès ne font strictement rien à mon Flamigator. Allez, il est KO. On n'en parle plus. Moi, mes aptitudes et mes compétences sont vraiment pratiquement à zéro. Oh, c'est génial. C'est déjà... Oh, j'en veux celui-là. Certains Pokémon qu'on n'a pas. C'est Noyakata. Je me demande, c'est l'évolution de quoi? Il est niveau... Pas mal, de niveau 51. Alors là, si on, type, on tombe sur des types hauts... plat du jour... N'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Allez, une deuxième balle ombre, ça devrait le laisser exsangue. Ouais, ouais. C'était juste hydrocule. Non, ça, il n'aime pas. Il n'aime pas l'eau. Il n'aime pas l'eau. Bon, Flamigator. Allez. D'accord. Ok, j'ai compris. Je sais ce que j'ai mal fait. Ah, ça aura coûté la vie à mon Flamigator. Désolé, Flamigator. T'aimais bien, mais... on va envoyer un autre Pokémon. Oui, Pikachu est dans notre équipe. Et moi, j'aime bien Pikachu parce qu'il, lui, il sait nager. Alors, ici, il nous faut absolument... Ah non, j'ai utilisé une Fireball. C'était une autre type de Pokéball que je... Quoique les filets balls, ça doit marcher aussi. Ouais, on a l'Oyakata. Il est à nous. Ok, une nouvelle entrée pour le Pokédex. C'est un Pokémon de grand silure. De type eau. Comme il n'est pas très doué pour attraper ses poids, ce Pokémon vorace fait équipe avec... Nigirigon pour chasser. Tiens, tiens, tiens. Nigirigon évoluerait en Noyakata? C'est ça le message? Voyons voir où il se classe. Non, pas du tout. Bon, je l'ai laissé m'attaquer. Salut, mon joli. Comment tu vas? Un délestin. Très bien. Alors là, à mon avis, il va pas apprécier le tonnerre de Pikachu. Ah ouais, c'est super efficace, mais ça l'a pas achevé. Et il a bien endommagé mon Pikachu. Allez, on va lui voler dans les plumes. Pikachu. Envole-toi. Là, bien sûr, il va l'essayer tout ou rien. Hein. Oui, bah, c'est quoi? Mais c'est une attaque qui est évitée. Et là, on a bien joué. On va peut-être... Non mais... Aïe!
Il m'a tué mon Pikachu. Deux Pokémon, deux morts. C'est inadmissible. Quel très mauvais début de partie. Je dois dire que mes équipes... Oh, je vois une évolution des volis qui nage tranquillement là-bas. Ok. Moi qui rêve de remplir mon équipe de type dragon, je suis pas sorti de l'auberge. Alors, c'était une scuba ball, voilà, que je voulais utiliser pour les types eau et particulièrement les Pokémon poissons. Ok, on a le Décélestin. Il est à nous. Pokémon décharné. De type eau et de type psy. Pour aiguiser son esprit et renforcer ses pouvoirs psychiques, il se défait de sa chair en trop. Oh, c'est dégueulasse. C'est un goût léger, mais ski. Ah, d'accord. Il fait 90 kilos. Eh ben, dis donc. Le Décélestin serait... la forme originale de l'Oyakata. Il y a des objets qu'on peut récupérer aussi dans l'eau. Ouais, ok, c'est l'île de ces petits Pokémon ici. Trop fun. Oui, non. Alors, il faudrait que... On a des rappels à profusion, c'est bien. Alors, moi, la question que je me pose maintenant, c'est comment je fais pour remonter toutes les aptitudes de mes Pokémon. Restore 10 PP. Ah, ça pourrait être utile, ça. Et c'est des points de compétence, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Oh, un objet ici. Un objet là. Et toi, qu'est-ce que tu fais à lui bider comme ça? Tu marines en plein dans l'eau. Tétra cristallisé. Bon, tranquille. Et il est de quel type? Un cœur avec des ailes? Oh, laissez-moi deviner. Non, j'en ai strictement aucune idée de quel type il est. Oh là 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 là. Extraordinaire. C'est un type fée? On l'a bien embauché. Alors, bah si, je t'en prie, frappe fort. Oui, on a retrouvé toutes nos capacités. Oui, c'est bon. Bah, c'est très très bien, alors. Ah, c'est pas très efficace, ça, par contre. Berceuse. Pendant un moment, j'ai cru que l'alligator se remettrait à dormir. Oh, c'est toujours aussi peu efficace. Et la Zumarine à la trouille, il peut plus attaquer, on va en profiter pour le mordre encore. D'ailleurs, il faut le décristalliser avant de pouvoir le capturer, je crois bien. Là, ça devrait être bon. Ouais, ça y est. On peut l'avoir là. Alors, vu que celui-ci est un type assez intéressant, on n'hésite pas à utiliser une hyperbole. Ça marche de rien du tout. Ah, par contre, il se défoule total. Ok, on va revenir sur nos amours avec la scuba ball. Allez, jouez cette balle. Tu parles. Non, je suis pas d'accord, je veux pas encore que mon Flamigator meure. Oh, reviens ici, Flamigator. À
il est mignon tout plein, ce Pokémon. Moi, je ne cherche pas des Pokémon mignons tout plein pour me battre. J'en veux des terrifiants, des effrayants. Qu'est-ce qu'il y a, mon Pikachu? Je rêve. Il aura du mal à attaquer. Ouais, on la connaît, cette blague. En fait, ça va pas l'empêcher d'attaquer du tout, d'être paralysé. Allez, une filet ball, c'est aussi utile pour les insectes, ça. Et ça marche mieux qu'une scuba ball. Essayez de comprendre. Ok. Bon, celui-ci, on l'avait déjà capturé. Un type eau et type fée. Oui, c'était bien ça, c'était bien le type fée. Ah non, on l'avait pas encore. On avait l'azuril, le maril. Ah, comme ça. Je croyais qu'on pouvait monter par là-bas. Moi, Attendez. Qu'est-ce que j'ai cru voir un super Pokémon qu'on n'avait pas encore. Non, celui-là, on l'a déjà. Ah non. Oui, oh, c'est un petit dragon, ça tu vas le reconnaître, c'est un petit dragon, je le veux, un mini draco. Oh, j'ai oublié de changer. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé Pikachu. Oula, ça va être une terrible erreur. Ah bah, une protect. Super. Ah, il évite carrément le Fatal Flout de Pikachu. Et il fait peu voir. Bah, c'est la fête. On va voir comment il résiste. Un tonnerre. Il résiste assez bien. Et je me rappelle plus du type de mini Draco. Mis à part que c'est un type dragon. Allez, on va essayer d'éviter des ennuis. On va tester la capacité vol. Ah bah non, il utilise encore la danse de pluie. Ah oui, on l'a bien amoché avec la capacité vol. Ok. Moi, je veux quand même lui réserver une hyper ball à celui-là. Mais, bon. Bah, ok. Un rune protect. Oui. Ça va être très utile. Contre la pokéball que je vais lui lancer. Allez, notre objectif, c'est cette île. Ok, il se libère en continu. Danse Draco. Oh, j'en connais un. Ouh là 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 là. Le prochain coup sera décisif quant à la survie de Pikachu. Oui. On l'a, on a le mini Draco. On a le mini Draco. Alors ça, ça c'est bien. Ah ouais. C'est un Pokémon dragon de type dragon. Cela vous surprend. Hein. Ce Pokémon grandit en muant à répétition. Lors de ce processus, il s'abrite derrière une puissante cascade. Ah ça, je savais pas. Il va falloir qu'il trouve une cascade pour évoluer. Ok, vous voyez voir un petit peu le trésor que l'on a récupéré.
Alors, je suis sur la 32. Ça, ça va pas m'aller. Je crois que j'ai mis des types O quelque part par ici. Ah ouais, quand même. Hein. Quand même. Un dragon de type dragon. Moi, je... Bon, lui, c'est un full type dragon aussi. Hein. Il ne change en rien. Alors, j'ai quand même besoin de ma nymphe, ça c'est sûr. Et on va quitter, c'est ici que je classe tous les Pokémon que j'aime bien. Oh là là, s'ils pouvaient évoluer, ce serait génial. Regardons tout de même sur la carte si on est au bon endroit. Non, le badge dominant dragon que l'on cible est sur l'île d'à côté. D'accord. Il serait là-bas. C'est ça ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et les lieux qu'on découvre, alors on peut les rejoindre, ah oui, en volant dessus. Oh bah c'est très bien, bah alors comme ça on a découvert cet atoll. On va quand même faire le tour. Regardez un petit peu les Pokémon qu'ils nous proposent. Ça a l'air assez paisible comme coin de nature pour Pokémon. Et ce que je vois, j'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses. Comment est-ce que je pourrais me rendre là-bas? Sûrement pas comme ça. Ok, ça va être compliqué. Ma suite, c'était laquelle, je sais pas. La moufouette, moi je veux pas l'affronter. Je crois qu'on l'a aussi, son évolution, qui est le mouflaire. Non, on l'a pas. Mais non, on l'a pas. Ah si, oui, quand même résister. Non ! Il a explosé. Flamigator, lui, les explosions, ça lui pose aucun problème. Oui. Non, je crois que ça va être compliqué de sauter jusque ici. Ça a l'air beaucoup trop haut. Oui, 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 oui. Sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Ouais. Donc dans le genre. Ouais. Mais le pieu s'est complètement désagrégé quand vous l'avez extrait. Ah. Ok.
là, il va falloir qu'on m'explique. J'ai pas compris exactement ce qui s'était passé. Ça, c'est des grelassons, on les a déjà. Ouais. Et donc, notre objectif serait cet îlot. Hop, 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 hop. Tu vas pas essayer de mordre mon Pokémon préféré. Nous, on a nos Pokémon qui sont dans un état assez catastrophique, je dois dire. Non. Non, c'est pas vrai. Alors, est-ce que je peux fuir? Ouais. Cool. Oh, mais il y a du courant. Ok. Ben ça, je suis impressionné qu'un petit comme toi ait fait tout ce chemin jusqu'ici. Émile, le chauffeur de taxi, il veut se battre. Et il nous envoie un Pokémon que l'on n'a pas encore, qui est un type acier et qui est très très puissant aussi. Je crois que mon type feu va pas être très efficace contre lui. Si. Si, c'est super efficace. Ok, on a battu Emile. Il n'avait pas d'autres Pokéball dans la poche. Eh ben, t'es encore petit, certes, mais ça t'empêche pas d'avoir une grande force. Et oui, et ça c'est l'évolution de... Shuisui. Petit bar. Non, c'est encore un Igirigon. Mais cette fois-ci, il a une autre forme. On va essayer de le capturer celui-ci. Ouais, non, mais on lui a fait mal. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir l'attraper celui-là facilement. Par contre, il a des techniques qui sont extrêmement puissantes contre mon Flamigator. On le retire tout de suite du combat. Et Pikachu entre en scène. Pika Pika! Ouh là 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 là! Il a beaucoup énervé Pikachu. Je sais pas si on va pouvoir l'attraper celui-là, parce que si je le retape encore une fois, il est mort. Ok, d'accord. Bon, alors, que ça réponde à ma question. Nymphalie. Ah oui, Nymphalie va prendre dernier recours. Cette capacité ne peut être utilisée qu'après que le lanceur ait utilisé toutes les autres. Franchement, bah, on va remplacer par bâillement. Et ça m'étonnerait qu'on puisse utiliser dernier recours quand on voit sa description. Alors, ce Pokémon mimétisme d'une forme courbée, cette fois-ci toujours de type eau, petit Pokémon dragon vit dans la gueule d'Oyakata à l'abri de ses adversaires. Ah oui! Bien sûr, bien sûr. Aucun intérêt. Chichou? Et ici, on devrait trouver le dernier type, le dernier dominant. Et rien n'est actif. Moi, je suis apparemment venu ici pour rien.
Alors je sais qu'il y a des choses que l'on peut faire uniquement quand on a fini le scénario principal du jeu, mais pour finir le scénario principal du jeu, eh ben c'est ça qu'on doit faire. Alors j'ai du mal à comprendre, parce que on devrait être sur ce type dragon dominant là. Vous voyez, pourtant je suis dessus, hein. C'est incompréhensible. Il me faudrait regarder sur internet pour avoir plus de détails. Parce que j'ai du mal à comprendre. Bon. Et ben ça répondra à ma question. Il est pour le moment hors d'atteinte. Ok. D'accord. On va partir en solo. L'ombre de ce Pokémon me rappelle quelque chose, mais non, je vois pas quel type de Pokémon ça pourrait être. Un Smogogo. Étrange. Alors, c'est quoi ? Je suis pas reconnu. Bon, il a coincé un Pokémon viable dans cette équipe. Ah oui, un Fantominus. Très bien. Et bah, on va l'exploser. Allez, déflagration. Ah bah oui, ça c'était sûr. On l'a mis KO. Et il est à nous. Allez, j'ai même une jolie hyperbole pour toi. Ouais. Bien joué. Je crois qu'on avait déjà le Fantominus. Est-ce qu'on a le droit à un petit descriptif pour voir de quel type il est? Je n'ai pas reconnu le type non plus. Pokémon gaz de type spectre et de type poison. D'accord. Je comprends rien à ce jeu vidéo. Là, quand on a... Il y avait quelque chose qui brillait et quand on arrive, ça disparaît. Ah, est-ce que c'est frustrant? Là, ça s'efface. Coradon, fais quelque chose. Aide-moi. Oh non. Il n'y a rien à voir à faire avec ce Pokémon qu'on a déjà attrapé. Mais là, on y a... Oui, on l'a attrapé quand même. De l'eau fraîche. Qu'est-ce que je veux faire de l'eau fraîche, moi? Et... Bon, bah il doit y avoir quelque chose à faire ici, mais j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il faut revenir une fois qu'on a plus avancé dans le scénario. C'est bien probable si... Allez, on va quitter ces lieux. On est à 4 sur 5 sur l'objectif Stardust, 3 sur 5 sur un parfum de légende.
Et ce qui me fait dire que non, mais c'est pas normal, on devrait pouvoir accéder justement à celui-là. Le dominant fourbe dragon serait un Pokémon très dangereux. Il se cacherait sur une île de l'immense lac Astral, mais on ignore à quoi il ressemble. On dit qu'il attire ses proies avant de les dévorer grâce à son énorme bouche. Restez sur vos gardes si vous partez à sa recherche. Bah écoute, on n'est pas seulement parti à sa recherche, on s'est perdu. Vous voyez, je vois vraiment pas où est-ce qu'il pourrait être celui-là. Bon, c'est pas bien grave. On va essayer de se diriger vers autre part. Qu'est-ce que l'on pourrait faire d'autre? On a encore pas mal de maîtres à défaire. Dominant à ses tranchées, on l'a fait. Écoutez, là, franchement. On va essayer de se diriger vers le désert. Peut-être que le Deep Dragon est le dernier qu'on doit capturer, c'est peut-être ça. Oh oui, mademoiselle, aux cheveux roses. S'il vous plaît. Redonnez vie à mes gentils Pokémon. Ils ont bien besoin. Quant à toi, je vais avoir besoin de certains. Oula. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et me dire au revoir à chaque fois. Non mais je continue d'acheter, hein. Il me reste 3 hyper beaux là. C'est une catastrophe. Oh. 21 000. Oh là 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 là. Ça coûte cher tout ça. Alors oui, des rappels, on en a toujours besoin de toute manière, les rappels. Plus j'en ai et mieux c'est. Ah, 20 000. Il m'a ruiné. Bon, j'espère pas te revoir, moi. On l'a, celui-là. Celui-là, là, on l'a. Donfant. On l'a, le Donfant. Oui, il a fermeté et c'est pour ça qu'il a résisté justement à l'attaque de Famigator. Ça m'étonnait tout de même. Allez, une jolie hyper balle, rien que pour toi. Tu rentres tranquillement dedans. Inconscience. Il vient de mettre une claque à mon Famigator. Oh, j'ai failli l'attaquer automatiquement. Encore échappé. J'arrive pas à y croire. Comment il fait pour se libérer d'une Hyper Ball au niveau 29 alors que j'ai des Pokémon qui ont le double de son niveau? Ah sérieusement, 3 Hyper Ball pour le capturer lui?
Eh ben... C'est plus qu'aléatoire tout ça. Ah bon, on l'a déjà le don. Bon, laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Alors, non, c'est pas par là qu'il faut aller. On veut aller où nous ? Ah oui, on voulait aller dans le désert. Bon, effectivement, il va falloir qu'on repasse par là. Quoi ? On t'a pas battu, toi ? T'es sérieux, on t'a pas battu ? Si je gagne, tu feras mes livraisons à ma place. On va bien voir ça. Vu que t'es entouré de Pokémon de niveau à peine 30. Walter. C'est un réglon. Super. Moi, j'ai un Flamigator. Du double de mon niveau. Alors, ton Furégon. Il est KO. Allez, Walter, il fait partie du passé maintenant. C'est fini pour lui. T'es trop beau pour être vrai. Voilà, donne-moi tout ton fric. Et vous, les taureaux, arrêtez de me regarder comme ça, vous m'impressionnez. Une super potion. Ah ouais. Alors, on sait que il y a effectivement un dominant dans le désert. On l'a pas celui-là. On l'a ? Je crois qu'on l'a. Je n'arrive plus à me rappeler. Un guerrier aigle. Bah non, on l'a pas. De niveau 56. Waouh ! Bon, forcément, ici, il va attaquer, mais méchamment. Mort le Flamigator. Ok. Très bien. On va essayer d'attraper quand même. Carré Egg de niveau 56. C'est une superbe opportunité. Un type vol comme ça, de haut niveau. Allez, tu rentres ou je te mords encore? Tu vas te faire mordre. Je t'aurais prévenu. Ah, il est à l'article de la mort et en plus maintenant il a la trouille. Je sais pas comment il va faire pour se sortir de cette hyperbole. Non, il s'en sort pas. Heureusement. Allez. Oui, un Pokémon vaillant de type vol et de type normal. Un guerrier du ciel, brave et intrépide. Plus son corps porte de cicatrices, plus ses congénères le respectent. Trop bien. Flamigator, tu l'as bien mordu, j'espère. Ok, on a la version évoluée du Furéclon. Et bah, c'est plutôt génial. Et bien, elle est là. Dominant roche truc machin. Attendez, parce que là c'est un type c'est un type sol ça. Oh là là, il est immense. Oh, ça force le respect, moi je vous le dis. Je sais pas comment je vais réussir, franchement je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Oh, il était là, hein. Pépère nous avait prévenu. Hé, toi ! Salut ! Il est tellement grand qu'on voit même plus notre héros. Il est pas très content. La terre, elle tremble. D'un fond ! Motiti. Allô, Azure, c'est la professeure Rolim à l'appareil. Mais voir est un Pokémon qui vient du cratère de Paldea. Bien attention à toi.
Ok. Il faudrait voir le dominant en tremble-terre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait contre lui? Déflagration. On l'a dégommé. On l'a dégommé. Non seulement on l'a dégommé, mais en plus il est tout brûlé. Oh, oh là, technique de diversion ninja. Ah, le plat, il est là-bas. Reviens ici. Non, qu'est-ce que... Ah bah oui. Ouais, tranquille. Il a défoncé le rocher. Le fort ivoire dominant mange quelque chose. Ah, voilà, pépère. Azur, on dirait que t'as trouvé le dominant. Alors, c'est lui le dominant tremble-terre. Un Pokémon, ça? Putain, cette force. On dirait qu'il mange... accroît son énergie. Azur, c'est le moment de tout donner. Oui, effectivement. Hop, oh, bon, d'accord. qu'est-ce qu'on fait? On le déflagre. Encore une fois. Je vais utiliser le Scovilin que j'ai capturé dans le coin pour apporter un peu de piment au combat. Ok. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il a évité comme attaque? J'ai l'impression qu'il a évité mon attaque. Ah, cette fois-ci, il n'a pas évité. Et l'attaque de mon Flamigator augmente, ou ses jours sont comptés. On a le Pokémon qui a Popper, apparemment, il est puissant celui-ci. Oh, mais il est super moche aussi. Ouais, on l'a dégommé. Il faudrait voir, il est KO. On a battu le fort ivoire dominant. Plus exactement, Flamigator. Ok. Excellent Azur. On l'a battu. Mais c'était quoi ce dominant? C'était vraiment un Pokémon? Je suis pas sûr. J'ai l'impression de l'avoir vu quelque part. Dans le cratère. On devrait pouvoir trouver un peu de l'épice secrète qu'il a avalée à l'intérieur. Allons vite explorer la grotte avant qu'il réapplique. Quoi? Il va revenir? Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'il revienne. Hein. Où est-ce qu'elle est? Ah ben elle est là. Ah, la voilà. Et une belle épice de plus. Une. On a trouvé l'épice secrète acide. Cette forme, cette couleur, ce goût infect, c'est la preuve que c'est bon pour la santé. Ah ouais, t'es sûr de ça? Alors, que nous dit le livre à son sujet? L'épice secrète acide off. Un gros apport en nutriments. Apparemment, elle aiderait le corps et l'esprit à se régénérer en un rien de temps. Ok, pas de temps à perdre. J'ai du pain sur la planche. Ah ouais, il me fait un sandwich, quoi. On tranche, on garnit. Allez, hop, hop, hop. Et voilà, des sandwichs remplis de bonnes choses excellentes pour la santé. Tiens,
admire ton nouveau badge pendant que tu manges. C'est le symbole de notre amitié. Ok, alors on en a fini avec le dominant Tremble-Terre. Il est vaincu. Ça, c'est une bonne chose. Et... Corredon. Waouh. Voulez-vous donner le sandwich à Corredon? Bah bien sûr. À Groussy. Voilà ta part de d'Ogrino. Alors oh oh oh. Trop content de te voir en appétit comme ça, mon beau. Corredon a pris la capacité de monture planeur. On dirait que ton pote retrouve peu à peu toutes ses facultés d'origine. Et je pense pas qu'il puisse encore reprendre sa forme combat. Grave. Physiquement, il a l'air d'aller. Mais c'est peut-être dans la tête qu'il fait un blocage. Dans la tête? Genre, comme un traumatisme. C'est lui des livres qui parlent de ce genre de choses. Il a peut-être peur de se battre parce qu'il a eu une mauvaise expérience en combat. Mais bon, ça ira. Lui et Dogrino se sentiront bientôt mieux. J'en suis sûr. Comment tu te sens, Dogrino? L'épice fait effet? Moi. Ah, désolé, mon beau. On peut pas s'attendre à ce que les épices lui fassent du bien à chaque fois. Et leurs effets sont pas forcément immédiats. Moi. Eh. T'inquiète pas, ça va aller. Azur et moi, on va te remettre sur patte, promis. Il reste encore une épice à trouver. Je suis sûr qu'elle sera encore meilleure que les autres. Oui, il faut qu'elle le soit. Il n'y a pas d'autre alternative. Azur, on y est presque. C'est la dernière ligne droite. On va tout donner pour trouver l'épice qui nous manque. Un gros. Gros. Bon, on a bien avancé. Et je suis assez content de moi. On a une nouvelle capacité avec Corredon. Titi. Allô? Azur, ici Olim. Corredon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais planer sous sa forme monture. Quand tu appuies sur le bouton B pendant un saut. Ah d'accord, appuyez sur le bouton B pendant que vous êtes dans les airs afin de faire planer votre monture. Appuyez à nouveau sur le bouton B pour interrompre l'action, elle tombera aussitôt. On va tester ça tout de suite. Je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Corredon. Ok, on n'est pas vraiment dans le coin où on peut... Et donc c'était celui-là, le donfant en fait quoi, qu'on a déjà capturé, hein, que l'on a combattu. Moi je veux quand même m'assurer que j'ai bien le donfant. Je suis sûr de l'avoir. On l'a attrapé lui. Niveau 25. Vous voulez que je fasse quoi avec un niveau 25? Oh, quand même fermeté. Hein. C'était un niveau 29 qu'on avait capturé, je crois. Ah non, mais il a repris une claque encore au Flamigator. Allez, une Hyper Ball. Bien sûr, même à son niveau, il va réussir à se sauver. Non. On l'a. On a le donf. On l'a, celui-là. On l'a même deux fois, si c'est pas trois fois.
Pokémon armure de type sol. On l'aime bien celui-là. Je crois que les shorts, il y a que ça de vrai. Tu parles des shorts? Shorts, il y a que ça de vrai. Tout le monde aime les shorts. Tu parles des shorts shorts ou des shorts de... Lui le gamin veut se battre. Ok, on va foutre une raquette à Lui le gamin. Laissez-moi 5 minutes. Et continue. Notre histoire. Waouh, le Mustébué évite mon attaque et il me réplique avec ses attaques d'eau. Franchement, c'est génial. Allez, tu dégages, s'il te plaît. Mustébué contre un Famigator. Allez, Louis le gamin. Apparemment, les shorts n'empêchent pas de prendre une bonne raclée. Oui, parler sans short, quoi. Bon, je vois pas ce que je pourrais faire de plus ici. Dans ce désert. Voilà, bonbon XPS par 3. Ouais, c'est plutôt cool cette histoire. De planeur. Ouais, et puis des classes comme ça. Pompe acide. Ah ouais, non mais... Attendez, il vole avec... bah oui, bah alors là, ça change tout. Non mais attendez. C'est... Mais qu'est-ce que... C'est pas le géant qu'on avait. C'est un fort ivoire. Oui, c'est un Pokémon qu'on peut capturer. Oh. Mort-le, vas-y. Ça lui fait rien du tout. Regardez comme il est puissant. Oh, il est... Gros chiffre à mon Famigator. Ballon-ombre peut-être. Oui. Il est KO. On l'a mis KO en un seul coup avec notre Famigator. Le pauvre. Dracocharge. Sérieusement, Dracocharge, puissance 100. Le lenteur frappe la cible en prenant un air menaçant, ce qui peut aussi l'apeurer. Oh là là, moi je change ça par Damoclès. Ah ouais, Dracocharge quand même, hein. Ok, bon, on s'est complètement foiré. Moi, ce Pokémon de fort ivoire, je le veux. Et attendez, ce Pokémon-là, on l'a déjà ou on l'a pas encore? Je crois qu'on l'a, celui-ci. L'Hippopotasse. Non, là-bas. Oh, il a croqué. De sable se prépare. C'est le coup le plus bas que j'ai. J'ai pas un coup plus bas que celui-là. Celui-là, on l'a déjà. Et qu'est-ce qu'il fait, toi? Eh, reviens par là, espèce de petit Pokémon des draps cristallisés. Il faut qu'on te parle, on a quelque chose à te dire. C'est un Pokémon qui a des ballons sur la tête. Vous l'aurez reconnu, c'est un petit vol. Ok. Moi, ça me convient. Un Motorizard de type vol. N'importe.
n'importe quoi ce jeu, mais vraiment n'importe quoi. On va le griffer. Ah oui. Oh là 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 là. C'est pas que j'y pensais. Il faut absolument qu'on le décristallise avant de pouvoir l'attraper. Oui. 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 Tranquille. Bon, il aurait été de type feu ou de type super impressionnant. Franchement, j'aurais kiffé. On a obtenu 2700 points de ligue. Alors, il est de type dragon, il est de type normal et il est aussi de type vol. Des fresques vieilles de 10 000 ans laissent penser que ce Pokémon transporte des êtres humains sur son dos depuis les temps anciens. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu aussi énormément d'artefacts qui semblaient montrer des êtres bizarres monter des dinosaures. Et franchement, bon, les gens crient à l'arnaque. Et moi, je laisse cette éventualité. Je trouve ça amusant de voir ce genre d'artefact. On voit réellement, je dirais, des êtres un petit peu comme qui ont l'apparence en fait de dinosaures, monter des dinosaures encore plus gros qu'eux. Et là tu te dis, bon, sur quelle planète je suis? Et ces trucs dateraient d'il y a très très longtemps. Pour lui, je sais pas comment le capturer. Ah bah si, j'ai mon motorisard. Lui, il va pas taper trop fort. Si je lui mets un demi-tour dans sa gueule. Oui, ça devrait. Demi-tour, bing. Oh, il est mort. Enfin, elle, c'était une femelle. Bon, je voulais ce fort ivoire, moi. Je voudrais qu'il réapparaisse. Il faut que je parte plus loin pour revenir dans le coin pour espérer tempête de sable, une CT en plus. Et on est déjà, nous sommes déjà allés à ce truc. J'aurais pas l'impression. Moi. Bon, l'aventure va être quand même plus simple avec cette nouvelle aptitude. C'est un sac de sable, un truc de sable, d'être cristallisé, de type plante. Type sol et type plante en même temps. Un bac à bout. Oh la, bien amoché. Ah bah, décristallisé direct. Allez, rentre dans la balle. Rentre. Dépêche-toi. Rentre dedans. Là. Là. Oui. Ok. Bon. Il ne sert strictement à rien, ce Pokémon. Mais c'est pour le geste sportif. De type spectre et de type stall. Ok, d'accord. Là, c'est déjà plus... Ouais, une potion qui sert à rien. Salut. Et alors ça... forcément... Un Hippodocus. Celui-là, je l'ai pas, c'est sûr. Ouais, non, je l'ai pas. Par contre, c'est un tank, ce truc-là. Hein. Ah oui, c'est un tank. Non, non, ne crie pas. Ne crie pas. Ça sert à rien. Oh là. Allez, griffe-le.
Oui, oui. Moi, j'ai quand même une bonne équipe, ils résistent à pas mal d'aptitudes, de capacités, je veux dire, de Pokémon. Allez, il est à nous. À nous. Il est à moi. Non. Non. Bélier. Aïe, ouh, 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 motorisard, évite l'attaque. Génial. Il n'y a que la tempête de sable qui l'a touché pour le moment. Oui. On l'a, on a l'hippodocus. J'aimerais bien avoir ces petits bébés aussi. Là, il y en a un. C'est un Pokémon poids lourd de type sol. Ce Pokémon s'énerve facilement, on le comprend. Il ouvre ses mâchoires au maximum pour intimider ses adversaires. Ah, tu m'étonnes. 300 kilos le mastoc. Ok. Et il nous manque vraiment celui-là. Oh, il y a les petits bébés lézards qui sont à côté. Je sais pas comment faire pour ne pas trop l'endommager. Décidément. Décidément. Bon, je refais tout le temps les mêmes erreurs de toute manière. Quelle que soit l'attaque que je fasse. Et niveau 30. Ah, quand même, niveau 33, non, bah ça a rien à faire. Ok. Je sais vraiment pas quoi faire. Je crois qu'il est important de capturer le plus de Pokémon possible. Ok, on a une tempête de sable qui se prépare. Alors, oh là 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 là. Mon mini Draco. Ils paraissent. D'accord. Ok. J'ai pas l'impression que j'ai choisi. Il n'obéit pas. C'est ça. C'est une catastrophe ce mini Draco. C'est le plus mauvais mini Draco de tous les jeux Pokémon que j'ai jamais connu. Doit-il me permettre enfin de capturer ce Pokémon? Allez, tu as une chance de survie. Tu as une chance de survie. Tu peux survivre en venant avec nous. Oui, en faisant partie de notre équipe. Ok, on a cet Hippopotas. On a du mal à le capturer, celui-là. Un Pokémon Hippo de type sol qui peut obturer ses narines et avancer dans le sable avec aisance. Trop bien! Il vit en colonie d'environ 10 individus. Et lui, il fait à peine 50 kilos. Ok, bon, on a quand même bien augmenté notre... C'est quoi ce Pokémon là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une péronie. Bon, on a pas les Pokémon qu'il nous faut pour capturer à ce niveau-là. On les explose tous. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Furéglon nous a... Ouais. Oh, je voulais vraiment avoir ce fort ivoire. Mais je n'en vois plus.
un rappel, ça ce sera utile. Une pierre ovale. Sérieux ? Ouais, la poussière étoile. Il faudrait que je regarde d'ailleurs un petit peu les objets que j'ai ramassés si je peux pas les vendre. Parce qu'il y a de l'argent à se faire. Grâce à ça. Regardez, celui-ci il est d'une autre couleur. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à explorer dans ce jeu. Ok. Ok. C'est toujours pas ce qu'on cherche. Et ce Fort Ivoire, j'imagine, n'apparaît que par ici. Ah, on voit la lune au loin. Oh, c'était tout pixelisé. Bon, et moi je pensais qu'on pouvait voler, et apparemment on ne peut que planer. Ce qui fait toute la différence. Parce que si on avait pu voler, on aurait pu survoler tout le jeu. Et là, ça aurait donné vraiment une impression de liberté. Mais planer, bah, ça limite un petit peu les interactions qu'on va pouvoir faire. Bien que ça va nous permettre, j'imagine, d'atteindre des endroits où on ne pouvait pas aller avant. Du sable doux, ça peut se revendre ça ? Une pierre lune. Un donfant. Un autre donfant, encore un donfant. Bon, il n'y a que des donfants ici. Ouais, je suis pas encore assez bon dans les sauts. Ici, on peut pas y retourner. Oh, j'aurais pensé qu'on puisse revenir dans la grotte. Ça m'aurait permis de peut-être réinitialiser les plateaux de jeu. Mais non. Allez, on va essayer de nouveau de partir le plus loin possible de manière... Parce que les ennemis, les Pokémon, qui sont pas nos ennemis, les Pokémon sont nos amis. De manière à ce que les Pokémon soient régénérés. Alors, ouais, ok, d'accord. On peut monter là, ici ? Bien sûr que non, qu'on peut pas monter. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Des pièces de mordu d'or. Ah oui, il y a des coins qu'on peut atteindre en sautant et en volant. C'était quoi ce truc ? J'aime mieux ne pas savoir. Les Pokémon, on les a déjà. Et je me demande comment on peut faire pour monter et grimper sur ces monuments-là. Une pierre soleil.
une limonade en plein désert. Ouais, 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 tout est normal, tout va bien. Alors peut-être que... Qu'est-ce qui s'est passé? On a marché sur un Pokémon. Ultra agressif et super méchant. Un flottillon. Vite, prenons la fuite. Ok, allez, arrêtons de plaisanter un peu. Ce mini Draco n'obéit que très très mal. Peut-être que en montant, j'ai encore marché sur un Pokémon, c'est pas vrai. Et oui, on les a déjà ceux-là. Attendez, il y a des objets un petit peu partout. Moi, j'aimerais bien les récupérer quand même. Oh, c'est une poussière étoile en plus. Si je monte zone ouest numéro 1, on l'a découvert ce coin-là. Ah, j'aime bien cette musique. Oui, bon, d'accord. Ici, ce sera pas suffisant pour atteindre l'autre partie. On va quand même essayer. Et j'ai l'impression que, en fait, tout ce qu'on peut atteindre, c'est ce coin-là. Non, non, non. Ok, c'est bien ce que je pensais. Non, bon, j'y arriverai pas. Je suis vraiment pas assez habile. Et je vois toujours pas de fort ivoire de régénérer, qui me frustre énormément. Épine de Cacnea. Ok, ça c'est un Pokémon. Griffe de Maskaiman. C'est des petits crocodiles ça, je crois. Bon, allez, on va retenter un petit saut. Oui, d'accord. Trois guérisons. Trois super boules. Et ce sera tout pour le moment. Ok. Bon, toujours pas de fort ivoire. Très bien. Bon, bah dans ce cas. Désolé petit enfant, on voulait pas t'embêter. On voulait trouver ton grand-papa. Bon, avec un peu de chance, quand on rechargera le jeu, il réapparaîtra. Ça, c'est encore une possibilité. Eh bien, il y a plein de poussière étoile dans le coin. Ça nous fait plein de fric. C'est très bien. Bon, on est fort de notre nouvelle capacité. Et vous voyez, là, c'est limite bizarre. Voilà. Ok. Nous voilà à l'abri.
avec Corydon sur un rocher. Et il va être temps pour moi de faire une petite pause de nouveau. On se retrouvera donc dans le prochain épisode pour essayer d'avoir ce fort ivoire et essayer de comprendre un petit peu mieux finalement comment faire pour avoir le dernier dominant. Vraiment, on s'en pose des questions. Mais on y répondra. Très bien. Allez, en attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de vos aimés. Faites attention à vous. Moi, je vous dis au revoir.